Dinor, CDF. Attention, lance grenade. Eh bien, salut tout le monde, c'est Tina, CDF, de retour pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous très bien et on se retrouve donc pour l'épisode numéro 29 de World Building. J'espère que vous allez tous très bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui donc, World Building. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors, il s'avérerait que normalement cette maison est terminée. On a mis le prix, 462 à Wad Money. Je vais faire un dernier petit tour du propriétaire pour voir si j'ai pas oublié un petit truc, éventuellement, voilà quoi. Donc ici c'est un placard, en dessous j'avais fait la salle des coffres, effectivement. Je vais regarder vite fait là, en regardant comme ça. D'accord, voilà, en regardant comme ça, hop. Bah, les couilles. Ouais, elle est finie. Elle est clairement terminée. Donc ça c'est cool. On va faire aujourd'hui... Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Est-ce que celle-là on l'avait meublée? Je m'en souviens plus. Oui, on l'avait meublée visiblement. Tout à fait. Et oui, on l'avait meublée effectivement. Alors on va faire une petite maison, je pense. Attendez, j'ai Nico qui m'appelle. 30 secondes. Parce que forcément, je gère le serveur en même temps. Si, je suis là, qu'est-ce qu'il y a? Ah, bah tu te démerdes, c'est ton problème. Pas le mien. Bref, donc, alors, comme je disais... Faudra faire une maison où, là? Parce que j'ai envie de construire une maison. C'est classique, belle, grande, stylée. Hein. J'ai envie de faire un manoir. Un manoir. Mais non, pour l'instant la ville elle est bien. Alors, des maisons il y en a. Il y en a tout va. Il y en a pas assez dans les 20-30 trains de monnaie comme ça. Donc je pensais faire plus un peu plus de maisons comme ça ou je sais pas. Il y a de la verdure, ça qui est cool. Le serveur je pense qu'il est bien comme ça. Il y a assez de maisons pour moi. Il serait pas terminé, mais voilà, on est dans ce qui est serveur correct. Voilà, c'est un serveur qui est correct. Il est beau, il est nickel. Alors, je sais pas trop ce que je vais faire. Peut-être des améliorations sur certains petits trucs. Mais voilà, en globalité, ouais, je vais claquer une petite maison là, quand même. Ouais, ici, là, genre, ici. Attendez. Juste... Je vais faire une maison où? Là, voilà, je vais faire une maison là sur la montagne, ici. Regardez, poum. Merde, attendez, je vais me mettre en créatif. Hop, pam! Modérateur créatif. Voilà. Voilà, on va faire une petite maison, donc comme d'habitude, hein, on rase les arbres. Tout qui ne nous sert à rien, de toute façon on en remettra si jamais on en veut après. À la fin de la construction. Éventuellement pour décorer un peu le délire. Mais en attendant, il nous casse plus les couilles qu'autre chose, donc voilà. Alors, clairement, on va raser ce bout de montagne qui sert à rien. Alors, normalement, vous devez pas toucher au design de la montagne pour faire ça, mais là, c'est vraiment un petit truc de merde qui servait complètement à rien. Voilà, et il est plus nous gêner qu'autre chose. Alors, on va partir sur un modèle de maison que j'avais fait il y a longtemps. Mais on va partir sur... On va toujours partir sur ce modèle de maison. Alors là, je vais forger ma maison... un peu comme celle à Christopher j'avais fait une fois. Je sais plus si j'avais fait en vidéo. Mais bref, j'avais forgé celle à Christopher. Et on était parti sur de la maison comme ceci. 1, 2, 3. Alors là on met un pylône 3 4, 5. Que là on retourne 3, 4, 5. Voilà. Ça c'est de la maison. De la maison classique. Alors, on va raser ce arbre-là, parce que je l'ai oublié. Hop. Magnifique. Voilà.
comme ça et comme ça. Alors, une 2. Une 2. Bien sûr, nous allons faire quelque chose pour ce coin bien dégueulasse, je vous l'accorde. Mais vous inquiétez pas, je vais gérer le truc. Voilà, tout délire. Bref, pas de bug, pas d'écran, voilà. Alors, j'ai découvert un truc qui va changer votre vie, les gens. Quand je mets l'écran de prévisualisation, bah, ça bug à mort. J'ai la vidéo, comme vous pouvez voir. Non, vous l'avez pas encore vu, parce que là, on est mercredi. Et demain, vous verrez, j'en suis désolé d'avance pour ceux qui regardent l'aventure des enfers, vous verrez, le début de l'épisode va bugger. Au niveau de l'image, au niveau du son, au niveau de tout. Il y a tout qui va bugger, qui va péter, qui va. Voilà, ça va péter un steak. Donc voilà, je vous le dis tout de suite. 4. Je vous le dis tout de suite, il y aura énormément de bugs. C'est pas de ma faute. Parce que justement, l'écran de prévisualisation a voulu faire des siennes et voilà, il nous a cassé les couilles. Mais clairement, c'était pas voulu. Donc, je l'ai désactivé aux alentours de 10 de 10 minutes, je vous raconte moi, de 2-3 minutes comme ça, et puis j'ai vu que ça allait beaucoup mieux, donc voilà. Bon, en espérant que ça va pas trop vous gêner pour l'épisode de demain. Et voilà. Désolé d'avance. Voilà, j'espère que pareil, parce que j'ai déjà tourné l'épisode de demain, mais forcément j'ai pas encore eu les retours parce que je l'ai pas encore tourné. L'épisode 1 de Portal 2. Donc, nouveau let's play qui est apparu sur la chaîne à la place. C'est pas à la place de Dead Island, c'est à la place de la One Boy One Girl. Attention, on ne confond pas. Dead Island sortira maintenant le samedi. Mais en attendant, je vais faire autre chose comme vidéo parce que je ne peux pas vous le proposer parce que je vous rappelle que mon ordinateur est en panne. Voilà, donc c'est juste pour vous rappeler ça. Alors, comme d'hab, on forge la maison. Elle est de format classique, hein, un petit délire dans ce genre. Voilà, bien sympatoche. Alors, c'est comme ça que j'avais fait ma maison en fait, là-haut, dans la montagne. Une belle baraque, bien forgée comme ça, en mode gros délire là. Voilà. Non. On peut mettre des gros pylônes là. Je crois que c'est tout. Alors là, pour l'instant, la maison elle est classique. On va la vendre vers les 30 rênes de monnaie. Si je la vends comme ça, on avec. Tech life. Alors, on va faire les murs. Voilà. Voilà. Donc on a un espace de 3 sur 5. C'est pas grand, mais voilà, c'est déjà mieux que rien. On va pas se mentir. Je vous rappelle qu'il y a quand même un escalier qui va monter ici. Voilà. Pour avoir un sol ici. Alors lui, je sais pas ce qu'il nous fait là, mais avec ses cookies là. Ouais, parce que en fait, j'ai un abonné. Je sais pas si c'est l'abonné Sardine. Mais bref, j'ai un pote dans la convo là, audio, qui. Un live de cookies. Ça, c'est une musique connue en plus. Mais bon, pas de copyright. Faut pas, c'est pas bien. Vous demandez pas c'est quoi? C'est des fenêtres. Lol, c'est des fenêtres. Il se fout de ma gueule en plus, lui. Non, mais Tina, tu te fous un peu pas de la gueule là, parce que voilà, ça des fenêtres. Tu te fous de notre gueule ou quoi? Tu veux qu'on te défonce ta mère? Je vais le défoncer. Il a planté des arbres de la jungle devant la ville. Ouais, quelle vidéo? On t'écoute, je fais quelle vidéo là? Ah, vous les entendez pas, hein. Moi je les entends parce que voilà. Mais vous écoutez? Fais quelle vidéo?
Il nous a pas muté, je pense. Hein. Ah non, non, je vous ai pas muté. J'ai muté mon micro, c'est différent. Ah, ça sent cramé, Guillaume. Ah bon? Bah, sors de chez toi, hein, que ça prend feu. Le mec, il comprend tout ce qu'ils disent, quoi. Bref, normal. Ta sœur. Là. Voilà. Hop, plancher. Classique. Voilà. C'était les vieilles maisons que je faisais à l'époque. Elles sont pas dégueulasses, hein. Il y a juste à modifier un peu la façade, mais elles sont franchement pas dégueulasses, hein. Clairement, la maison Christopher, celle qui est là-bas, on la voit d'ici là, celle-là, elle est pas dégueulasse. Bon, on va pas se mentir. Franchement, moi je trouve qu'elle est bien quand même. Elle est correcte. Donc voilà, après c'est que c'est qu'un délire. Faut voir si jamais elle peut être belle ou pas, faut voir. Faut juste modéliser la maison par rapport à ce qu'on pense. Et elle sera bien. Alors on va enlever ça parce que ça c'est pour un étage supplémentaire. Moi je vais pas faire d'étage supplémentaire. Je pense qu'elle est assez grande comme ça. Parce qu'après elle va être chère sinon. On va faire un toit en pierre. Alors, je pensais plus à un toit droit qu'à un toit tordu. Donc, c'est une petite maison. Elle sera faite en deux épisodes à tout casser, mais voilà. C'est une petite maison. Vous attendez pas à une big maison comme on a fait la dernière fois. C'est vraiment une petite maison. Après, c'est un tuto comme un autre. Hein. Si jamais vous comprenez pas, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Au pire, vous m'ajoutez et puis vous venez voir comment elle est faite. Il n'y a pas de souci. Ou alors vous venez complètement sur le serveur. Vous pouvez postuler, il n'y a pas de souci. Du moment que vous avez l'âge requis et la maturité requis, pas de souci, vous pouvez venir. Hein. Je vous dirais, à cette heure, voilà, il y a énormément de personnes qui rejoignent et. En globalité, les gens ils sont corrects. Principal, vous êtes correct, ça, tout va bien quoi. Si vous faites des conneries, forcément, après, bye bye. Vous ferez exclure pour un temps indéterminé. Et puis après, bah, c'est votre problème. Voilà. Il y a toujours un gros lag quand les lumières s'éteignent sur le serveur, c'est un truc de dingue. Ouais. Allez, m'a deviné ce que c'était. C'est bien. On voit qu'il y en a qui ont l'habitude de jouer sur le serveur, ça se voit, c'est cool. Alors, j'expérimente, hein, le toit, je peux du tout à croire que c'est possible de le faire comme ça.
Je sais pas si ça vous rend bien, oui. Voilà. Voilà. Ils sont en train d'essayer la machine à potion à l'entrée de la ville. Une, deux. Une, deux. Voilà. Alors, je suis en train d'expérimenter un type de toit. Je sais pas si ça va rendre bien. J'en sais rien. À voir. Si ça rend bien, je le referai, mais en plus grand. Si ça rend pas bien, au contraire, bah, forcément, je le referai pas. Bah. Et pas en plus grand. On va voir ça si ça rend bien ou pas de loin. Hein, ça passe bien. Ça passe bien, je trouve. Oh, les mecs qui parlent de bite et de braillette. Genre, il y avait un film où le mec il se coinçait la bite dans la braillette, mais sérieux que c'est comme le bonnet une fois qu'il m'avait sorti que le mec il était mort d'un. Comment dire, sa bite elle avait bandé en fait, et le mec il était mort d'érection en fait. Oh non, c'est franchement trop fort les gens, quoi. Ils sont fous. Ils sont vraiment fous les gens. Sérieux, quoi. Petite photo. On va voir ce que ça donne. Personnellement, je la trouve bien. Et on va voir leur réaction, leur commentaire par rapport à cette nouvelle maison. Mais je voulais dire hein, parce que voilà. Mais par rapport à cette nouvelle maison, je préfère avoir quelques commentaires. Voir si elle est bien. Mais quelques commentaires autres que moi. Voilà. Avis. Voilà. Bref, maintenant il reste plus qu'à attendre. Et attendre voir s'il y a des réactions positives. On va sûrement les voir en écrit les commentaires. Mouche? Oh, ça mouche! Comment ça mouche?
Abruti. Très mou... Très mouche. Ils sont fous les gens. Oh non. Bref, bah voilà, c'est moche. C'est leur verdict à eux après. Hein. Acceptez, je suis un abonné attaché à une gym. Même question, hein. Tout le temps la même question. Hein. Et c'est ça qui tranche tout généralement. Un Redcraft. Bande de connards. Si, ils sont méchants avec moi. Mais non, elle est belle ma maison, vous rigolez tout. Qu'est-ce qui aime bien ma maison dans les commentaires? N'hésitez pas à postuler. Personnellement, j'aime bien. La trouve très bien même. T'as quel... J'ai même pas marqué âge. Oh là, la honte. En tout cas, il est sur PS4. Ah, c'est déjà un point positif. On va avoir la réponse en direct de quel âge il a. Oh, attendez, je m'étire un peu. Oh, voilà. Bref. On va s'arrêter là. Et dans le prochain épisode, on meublera la maison. Elle est petite, hein, donc voilà. Bref, mais elle a une belle vue. J'espère que cet épisode numéro 29 de World Building vous aura plu. Si jamais il vous a plu, vous pouvez mettre un petit pouce vert, c'est la récompense. N'hésitez pas à mettre un commentaire. 12, mais je suis pas autant débile que d'autres. Ah, officiel de mon habit, ajouté à des amis. Génial! Avec un G majuscule. Hop. Et un point d'interrogation. Boum. Bref. Qu'est-ce que j'ai dit moi? Ah oui, si jamais vous avez des questions, des avis, je sais pas, la barre des commentaires, comme d'hab, hein, je vais pas vous apprendre, vous savez où c'est. Partagez si vous pensez que ça peut intéresser d'autres personnes. Et puis sur ce, bah moi je vous dis à la prochaine. Allez, bye tout le monde. Attendez, juste 30 secondes. Il m'a mis un petit smile, il est content. Allez, peace les gens.